bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Amen. Vous êtes contents? Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Frères et sœurs, nous allons entrer directement dans le vif du sujet qui est la parole du jour. Mais bien avant, nous allons baisser la tête pour confier ce moment au Seigneur. Oui, Seigneur, moi-même je t'ai expérimenté, moi-même je souviens. Ah oui, quand toi, Seigneur, tu étais bien, tu étais bien, tout changé. Oh Seigneur, nous avons prié, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Que ceux qui ont la Bible prennent leur Bible, que ceux qui n'ont pas de Bible. Sois attentif. Amen. La parole de ce matin nous parle de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la manifestation, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et si nous, le Seigneur m'a mis à cœur cette parole, c'est pour m'adresser à quelqu'un parmi nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, souffrez que je m'adresse à quelqu'un parmi nous ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère Soka, tu vois le mystère qu'il y a dans la foi. Monsieur, madame Aka, que vous voyez aujourd'hui, ont pratiqué ce qu'on appelle la foi. Pas seulement la foi qui fait parler d'elle, mais la foi qui agit, qui porte des fruits. Ils ont travaillé, Dieu les a utilisés pour réconcilier un couple. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir parmi nous M. Soka. Je suis heureux parce que l'Éternel a manifesté son amour par la foi de M. et Mme Aka. Alléluia. Amen. Alors, mon frère Soka, le Seigneur me charge de te dire de sécher tes larmes. Tu te prends pour qui dans cette maison? Hein? Quand je te parle, tu me regardes, hein? Écoute-moi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Écoute-moi quand je te parle. Si tu joues au crabe dans cette maison, moi je vais te manger avec assez de bruit. Alors, il y a quoi? Et comme ça, madame prend des décisions sans me tenir informé. Ma nièce est venue en pleurs. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tu es dehors quand elle est arrivée. De faire quoi? De faire quoi? C'est vrai? Je ne t'ai pas là, écoute-moi. Je ne t'ai pas là, c'est vrai. Mais les portables que j'ai là, tu peux m'appeler là-dessus? Tais-toi quand je te parle. Je te donne une minute. Écoute bien. Une seule minute pour que ta nièce sorte de ma maison. Sinon, ce sont tes bagages là, moi-même là. Viens prendre pour sortir de la maison. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de toi, tu as compris? C'est pas toi, mais tu seras très confus tout à l'heure. Moi-même, moi-même, moi bras. Tu auras honte. Tu auras très honte, tu es assis là. C'est pas trop. Pardon. Tu ne veux pas abuser mon frère, ma fille? Non, j'ai parti. Non, tu as parti où? Pardon, oui, la seule vie, c'est comme ça il est. Pas, ma fille, c'est comme ça il est. On se connaît ici. Là, c'est petit. Ma fille. Je sens que. Ma fille. Tu n'as pas honte. Tiens. Tu sais, je ne suis pas fâché contre toi. Mais je veux souhaiter que la patrie m'informe avant que tu ne viennes. Tu comprends? Va en chambre, ok? Va en chambre. Hein? Faut pas te fâcher devant le champ. Ouais, je te reconnais maintenant. Merci beaucoup. Oh! Mm-hmm. Non, on a commencé. Parle, fais tout, t'es pas là, on devait mettre la maison ici. Il me charge de te dire
de sécher tes larmes parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Amen. C'est le jour où il te restaure. Amen. Alors, prends courage, sois fort, mais surtout, sois un homme et sèche tes larmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour le courage. Oui. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce matin, l'essentiel que nous devons savoir, que nous devons retenir, c'est que la foi, c'est la pratique. Amen. La foi, ça ne se dit pas. On ne dit pas, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et puis, à la fin, on ne voit pas de fruits. Mais la foi, c'est, je vais faire. Et je l'ai fait, voici le fruit. Monsieur, Madame Aka peuvent dire aujourd'hui, nous pouvons faire, nous l'avons fait, voici le résultat. Monsieur, Madame Zuka sont désormais réunifiés et nous rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mettre un terme à ce culte. Amen. Parce que quand un culte est trop long, on ne retient pas ce qui a été dit. Mais souffrez que ce culte soit court, parce que c'est un jour exceptionnel. Amen. Retenez une chose, pratiquez la foi. Ne dites pas sur les lèvres des choses, mais mettez en pratique ce que vous dites. C'est ça que Dieu veut. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te bénissons parce que tu nous as bénis aujourd'hui. Ta parole puissante nous a guéri, nous a restauré, nous a apporté beaucoup. Alléluia. Merci pour les cœurs que tu as consolés. Alléluia. Merci pour les âmes que tu as sauvées. Alléluia. Merci pour des âmes que tu as régénérées. Alléluia. Merci pour ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Alléluia. Accompagne chacun dans sa demeure. Amen. Et reste toujours avec nous parce que nous avons besoin de toi auprès de nous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Oh, ça va bien, ça va bien. Et la famille, ça va? Oh, alléluia. Bonjour. Ça va bien? Tu salues maman et papa. Hein? Voilà. Tu n'étais pas là dimanche dernier. Alors, fais les fois la prochaine fois. Oh, mon matin. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Alors, je vous laisse dans la joie. La tempête s'élèvera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oh, la pluie et le vent souffleront. Amen. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia. Amen. 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 Ce que tu as fait là, c'est tellement bien. Hein? Quand on fait ça souvent aux gens, on vient en aide aux gens. Dieu ne nous oublie pas, hein. Dieu s'est rappelé de nous, mais j'attendais le soir pour te dire ça. Pourquoi? Toi, mais dis quoi? Toi, mais dis quoi? Et tu peux fermer tes yeux. Tout est dur. C'est comme Marie, ça veut. Tu n'as jamais su pour fermer tes yeux encore, c'est pas. Pour fermer tes yeux. Ah! Ouvre tes yeux. Tu as fait pourquoi que c'est pas là? Ah, tiens. C'est quoi là? Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as dit? Tu as fait quoi? Ah, comprends. Chérie, dis-moi que j'ai l'air. Chérie, c'est papa. Il ne sait pas.
C'est le pot plein de rage qu'il y avait à moi. Sur moi. C'est normal. C'était vous qui étiez devant moi. Donc c'était ça. Mon frère, excuse-moi, tu l'as fait. Non. Non, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Tu comprends, non? Mais si j'étais non, là même là, non, ça n'allait pas se passer. D'accord. Comme un bon monsieur comme cela, vous vous moquez de lui parce qu'il ne travaille pas. Bon, monsieur Guiré, on va aller à l'essentiel. Je suis venu donc m'excuser. Oh. Le pasteur Léon, grand édificateur, m'a enseigné ce qu'on appelle le pardon, l'humilité, la tolérance. Et fort de cela, j'ai décidé de mettre un peu d'ordre dans ma vie spirituelle. Là, tu vas à l'église maintenant. Je vais à l'église, monsieur. C'est un homme. Et l'église, j'avoue, la religion, d'une façon générale, c'est très important pour moi. Alors, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Non, vos excuses sont pardonnées, hein, monsieur. Voilà, oui, voilà. Franchement. Vous allez là, ma carte de visite. Je vous appelle avec. Je le connais où? Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Je sais que vous êtes gagné par un chômage chronique qui ne dit pas son nom. Oh, ça c'est vrai. Mais bon, si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas, appelez-moi. C'est valable pour tous ceux de la cour. Bonsoir, monsieur Loka. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais Madame bien. Madame va bien. Elle va bien. Ah, Dieu merci. Et bon, si vous avez besoin de moi, dans la position que j'occupe aujourd'hui, je peux aider. Et même, je dis, je dois aider. Vous voulez aider déjà? Je veux, il faut bien. Moi, j'ai été aidé. Il faut aider Mélissa d'abord. C'est elle qui t'a chassé là. Non, mais en fait, j'en venais. Mélissa et moi, bientôt, nous allons nous marier. Oh! Voilà. Sans vous dire ceci. Monsieur Djiré, tout à l'heure quand je rentrais dans la cour, j'ai entendu des éclats de voix. En fait, je vous ai vu là avec madame. S'il vous plaît, monsieur Djiré. C'est toujours comme ça. Je sais d'où je viens. Je vous demande de pardonner à votre épouse. Parce que celui qui ne connaît pas le pardon ne connaît pas encore Dieu, donc ne connaît pas encore la vie. En tout cas, c'est moi, qui vous parle. Je sais de quoi je parle. Vous avez vu ma vie? Alors, donc voilà. Bon, monsieur et madame Giré, voilà, je vais partir. Au revoir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Giré. Vous oubliez que j'ai été dans cette cour. Vous commencez à faire ce geste-là, je sais ce que ça veut dire. Je préfère intervenir rapidement pour que vous gardiez le peu de cheveux qui reste encore sur votre tête. Merci, monsieur Zoka. Salut, madame. Non, il y a aussi la réponse. Est-ce qu'on habite ensemble? Merci, monsieur Zoka. Attends. Non, c'est moi, c'est ta grande soeur. Non, ma copine. Attends, ma copine. C'est la plus grande. Monsieur, bien Jean Mélissa, hein. Merci beaucoup. Bon. Je vais prendre pour faire transport du mariage. Attends, si tu mets ça dans sa main. Monsieur et madame Thierry, s'il vous plaît, allez, au revoir. Ok, il y a salut Mélie. Aimez-vous. Pardonnez. On s'est au mariage. Donne-moi 1000 francs. Donne les 5 000 et te donne les 1000 francs. Non, il m'a pas donné 5 000. J'ai dit quoi? Moi, je t'ai vu. Donne les 5 000. Donne les 5 000. Donne-moi ça ici. Mets ça ici. Non, il y a eu 5 000 francs. Mets 5 000 là ici. Donne-moi 1000 francs. 1000 francs, là, il n'y a pas de parole, je dis. Dis-moi, on ne mange pas.
Allô? Ma copine, on dit quoi? Comment tu vas? Ah oui, ici ça va. Non, je suis pas à la maison. Je suis chez Aïda, la vendeuse de bijoux là. Bien sûr, je prépare ton mariage comme ça. Ah oui, oui. Non, Aka est à la maison. Il est à la maison. Ah,
Ok. Bien sûr, je vais venir te chercher. Tu sais, la future mariée n'a pas le droit de marcher. Hein? Elle doit être traitée comme une reine. Oui, on attend que toi, ma copine. Ok. Bisous à toi. Je te rappelle plus tard. Bye. Tu as réussi à déplacer le grand homme de Dieu jusque chez moi? Oh, sois béni, mon fils. Oh, pasteur. Oui. Oh, pasteur. Oh. Ah, tu es vraiment content et ça me fait du bien. Merci, pasteur. Tu as le visage rayonnant de joie. Si, merci. Le Zouka. Oui. Attends, ça, c'était le Zouka d'avant. Comment vas-tu? Mais je vais bien, mon frère. Merci. Bon, venez. L'émotion fait que j'oublie même les règles de toute sa recette de l'accueil et de la réception. C'est une bénédiction pour ce moment. C'est tout jeune marié. J'ai le profil de l'emploi. Ouais. Il ne reste que le poste. J'ai cette assurance que confère le mariage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Soka, mais il est joyeux. Ça fait plaisir, tu sais. Bon, on parle. J'oublie même mes devoirs. Je vous apporte à boire. C'est pas bien, oui. Non, mais t'as pas besoin de demander à ta servante de l'eau. Qui ça? Qui? À ta servante. Ah bon? Servante. Allez là. Non, mais attends, attends. Avec tout ce que nous avons traversé, Mélissa et moi, il n'y a plus question de servante. Non, ça fini ça. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Mélissa regagne son domicile, pas question d'avoir des voyez comment quand elle viendra, ensemble, peut-être, nous allons penser à la question et éventuellement, bien sûr, chercher ensemble la personne qui correspondrait à notre désiderata. Mais mon cher Zouka, Soka, je ne veux même pas t'incriminer pour ça, parce que la vérité, c'est que aussi de nos jours, hein, les jeunes filles, quand elles arrivent dans une maison, soit c'est le foyer qui prend un coup, ou bien il y a un mauvais esprit, en tout cas, qui prend un bal derrière. Prenez votre temps, mais toujours est-il que pour laisser un peu Mélissa se reposer, toi-même aussi te reposer, il vous faut un renfort. Oui, faut y penser. Pasteur Léon, ne t'inquiète pas. Voilà. Tout ce que tu as dit ne sera pas parole morte. Nous allons faire sa continuation. Oh, moi, je te crois tout de suite. En fait, j'ai envie de dire quand même à Zouka, pour te parler un peu de notre expérience. Oui. Le mur, là, le mariage ne peut pas rentrer s'il n'y a pas de fissure. C'est seulement parce que tu as été la faiblesse de ton couple qu'à un moment donné, des gens comme Samir ont pénétré le mystère de votre foyer. C'est maintenant que tu es revenu à Dieu et que vous avez toute l'onction dans votre couple, quelle que soit la servante qui vous pendait, quelle que soit l'animation diabolique, vous ne pouvez pas être perturbé. C'est clair. Merci. Donc il faut que tu gardes le cap de ta foi. Comme le pasteur nous l'a dit à l'église, c'est ça, il faut garder le cap de ta foi. Il faut que tu aies une foi qui est active. Yeri, il n'y aura plus de fissures chez moi. Non, je vais colmater les brèches mieux. Je vais les bétonner. Non, ça c'est fini ça. Hé hey, chérie, pardon, faut pas trop bouger. T'as fait, l'enfant va être touché. Aïe, l'enfant est là, Déo. Ah, toi aussi tu es la gente. T'as me dit. Ma fille, ça va? Tu sais pourquoi on t'a fait venir? C'est... En fait, il n'y a rien de grave. Tu sais, dans la vie, chacun a droit à une deuxième chance. Ta tante que tu vois là. Ma fille, j'ai souffert. Hein? C'est pas tout, on explique. C'est pas tout. Aujourd'hui, elle m'a pardonné. Elle m'a pardonné. Et on est heureux, tu comprends? Et donc, il faut que je te donne aussi une deuxième chance. Et donc, on a décidé que tu y ailles t'inscrire au cours du soir. Tu comprends? Et là, quand tu auras le bac, ta tante et moi, on pourra t'aider à trouver une place dans la société. Voilà. Au fait, chérie, oui, voilà un peu ce que j'avais à dire à ta nièce. J'espère que ça ira. En tout cas, je te remercie, mon ange. Je te reconnais maintenant. C'est temps comme ça. Je te remercie parce que... Attends, je te... Merci. Voilà. Tout l'ajout que Dieu fait, en tout cas, c'est ce que je lui dis.
là. Donc, je lui, vraiment, je lui parle. Et c'est sa mère, Samira, vraiment, qui ne sait pas. Vraiment, qu'avoir un enfant, c'est un trésor de Dieu. Franchement. Et vraiment, elle a jeté sa fille dehors. Et jusqu'à présent, elle ne cherche même pas à savoir où l'enfant vit, où elle dort, qu'est-ce qu'elle est devenue. Vraiment, je suis vraiment désolée quoi, pour Samira. Mais je sais qu'un jour, Dieu va faire quelque chose pour cette petite fille-là. Je suis convaincue de cela. Oh. Aïe. Merci. Il faut remercier le Seigneur. Merci. Il faut remercier Dieu. Merci de m'avoir donné un foyer. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tiens chez toi. Hein? Tiens chez toi. Elle me plaît trop. Elle est trop polie. Ouais, franchement. Du moins, Dieu va la bénir. Attends, je vais te montrer un truc ici. Quoi ça? Numéro de ta go, quitte là. Non, je ne vais pas voir tes numéros là. Attends, pardon. Je vais te montrer. Quoi? Où tu vas accoucher? C'est en Italie. Bon, écoute, c'est pas grave. Nous, de toute façon, le pasteur a voulu se rassurer que les choses avançaient. Et je vois que ça se prépare bien. Là. Les choses avancent. Oh Seigneur, bénis ces préparatifs de mariage. Que tout se passe pour la gloire de ton nom. Dispose les cœurs et que le succès s'attache à ce mariage. C'est que ce succès-là ne lâche point ce mariage. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Tu vois, Zoka, mon cœur est dans la joie. Oh, pasteur. Oui. J'ai hâte de manger le gâteau de mariage. Une part entière. Vraiment, vous serez réservé. Ok. On peut décider, c'est peut-être un plateau, un étage, ou une mezzanine. Non. Mais écoute, voilà. Le pasteur a d'autres contraintes. Voilà. On est déjà content de voir que les choses avancent. Merci beaucoup. Et puis, voilà, on va te laisser sur ça. Sache surtout que tu peux compter sur nous. Oui. Ça, j'ai pu me rendre compte tout le temps. Et je vais préparer un message pour ce mariage-là qui va convaincre le cœur. Alléluia. Et quand les gens vont sortir de là, les célibataires qui brûlent encore vont chercher à se marier. Je vais simplement dire que j'ai tellement pris en compte ce que le pasteur a dit, parce que tu te rappelles, il a dit qu'il ne faudrait pas faire trop grand bruit, faire un mariage restreint. Donc je me bats pour ça. C'est bien. Le plus restreint possible avec des personnes de qualité. C'est bien. Le plus important, c'est qu'elles soient contentes. Et je n'ai pas oublié celui que tu as dit d'inviter. Connais. Comment c'est là? Allez. On va demander une partie. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Merci. 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 Oh. Il ne faut pas trop te déranger. Laisse-nous partir. Prépare-toi. Tu as beaucoup de choses à faire encore. Merci. Mais Dieu est avec toi. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Porte-toi bien. Puis garde-moi deux autres cas d'invitation. Aucun problème. C'est Jacqui. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, merci. Oh, Seigneur. Eh, Mélissa. Mr. Man, wearing a silver pistol. To kill my brother, oh no, it's by memory. Merci. Ça va? Ouais, ça va un peu, mon cher. Comment tu as trouvé de quoi? Yo, tu sais, un artiste, cache pas, monsieur, là, c'est où? Ouais, nouvelle? Ouais, rien de grave. Voilà, la dernière fois que tu disais au téléphone, là, t'as parlé d'un morceau que j'ai composé, je voulais te faire écouter. Là. Moi, si on peut mettre sur ma maquette. C'est un peu jeu. Ouais, je me débrouille un peu avec un vieux père au quartier. Voilà. Attendez, c'est revoir. Moi, plaisir. Mimi, on le babouille. Dangabiko, ni mi wola fa pour rien. Dangabiko, kalo kono do segeni kela ile no.
imamirola iba segera ahamila atorola lomina itumbe wolola gulela akasira baba we yafanima ilana wolo yedumini yoroni samine ah Avec ça, tu ferais une très grande carrière musicale. Merci beaucoup, merci, merci. Oui. D'accord, donc, j'ai fait un tour. Allez voir le médecin à côté. Il te pousse un peu. D'accord, oui. Ici, Angélie, à 7h00, c'est calé. Voilà, je suis sortie. Tu t'occupes bien de la maison. Tati, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. Et quand j'ai dit à tonton, il veut me frapper. Moi, j'ai faim. J'ai dit où? Toi, là, c'est de l'eau qui est dans ta tête. Tu es une petite fille. Tu es là, j'ai faim. Raison de plus pour maigrir. Là, moi, tu es déformée dans ma maison. Allez, faut pas m'énerver ce matin. Je suis en train de sortir. Faut pas mettre ta poisse là sur moi ce matin. Tu as compris, non? Tati, c'est quand on est grosse là qu'on mange beaucoup. J'ai dit, tu as raison. Vraiment, tu as raison. Je suis en train de sortir. Prie Dieu. Si j'ai eu un peu d'argent là-bas, toi, oh, tes bagages, oh, hein? Vous allez partir au village. Comme ça, tu vas bien manger là-bas. Tati, j'ai dit. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu allais me donner l'argent. Et puis j'ai fait mes cheveux, je vais payer mon pain, et puis j'ai payé chaussures. Et puis j'ai vu bracelet aussi, ça me plaît, je vais payer aussi. C'est quel foyer ça là? C'est quel foyer ça? Tout le monde est bizarre comme ça, hein? Moi je fais, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Moi je tombe pas. Yo. Moi je fais, je suis vide, je ne peux pas me tenir debout. J'ai fait oh. 2 jours pour manger quand même. Je ne suis pas. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Valé! Oh non, c'est pas vrai. J'ai dit, dépêche-toi, tu vas que la nuit va nous trouver ici. Madame la mariée, ta robe ne va pas fuir. Tu faisais quoi déjà là-bas? Pardon. Oh, toi tu aimes trop ça. Donc tu veux dire que tu es fâchée quoi? Pardon. Hey, ma copine. Zoka se marie bientôt avec Mélissa. C'est pas vrai. Il est même arrivé ici pour nous inviter. Oh. En tout cas, le mérite. La femme l'a trop souffert. Ah, Dieu merci, un Dieu pour les pauvres. Oh, Dieu dit quand tu fais jusqu'à pour toi et tes bonnes. Tu es contente pour elle comme ça. Attends, mon mari là, il a duré là-bas. C'est vrai, il s'est fait tard. Il est bientôt 19h. Ma chérie, il y a une petite go qui l'a retenue quelque part là-bas, on sait jamais. C'est à cause des petits gosses, sûrement, il a qu'à durer là-bas. Ah. Où il est, puis il dit qu'il go va le retenir. Moi, ça va me faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Changement. Tu as arraché dans mes mains. Non. Tu ne voyais pas le changement là. Tu es sapé Voilà. Voilà. Denis, j'ai été nommé. Nommé? Tu as eu travail?
J'ai un homme. Mon mari a eu travail. Mon joli mari a eu travail. Attends. T'as eu quel travail? Fais vite. Je suis chargé de mission de la société de M. Zoka. Zoka, il est bien. Zoka, il est bien. On vient de parler de Zoka. Zoka, c'est notre dieu. Maman, tu as eu travail. Mon mari a eu travail. Lève-toi, pardon. Lève-toi. Zoka, tu commences quand? J'ai dit, oh, pardon, hein. Chargé de mission, là, c'est quoi? C'est-à-dire que, j'ai dit, quand c'est moi on envoie. Ah, c'est toi qui fais les courses, quoi. Voilà. Alors, je comprends bien ça que les petits boys là-bas, quoi. Pardon. Toi, je t'ai pas sonné. Tu comprends, non? Non, je t'ai pas sonné, tu comprends? Regardez-moi ça, là. Regarde, c'est quand tu as commencé, là. Tu n'as pas petit boy. Non, pas le dire. C'est comme ça que ça commence, et puis après, ça peut dire non. Attends. Tu n'es pas petit boy. Il est petit boy comment? Il dit qu'il est chargé de mission. Toi, tu dis petit boy. Petit boy comment? Bébé, faut te calmer. Allons, je vais te faire ton plat préféré. Allons, tu vas manger. Oh. J'ai dit. Et puis tu auras un bon message ce soir. Faut enlever mon nom dans la bouche de la société. T'as compris, non? Je t'ai pas sonné. T'as compris? Je t'ai pas sonné. Tu n'es pas boy. Tu es chargé de mission. Faut pas écouter celle-là. Allons. Elle est jalouse. Allons, il a fait ton plat préféré. Allons. Hein, viens, viens. Non, ma copine. Oui, attends, faut enlever son nom dans la bouche de la société. C'est vilain monsieur, il dit quoi aussi? Je viens de dire quoi là? Petit monsieur là, il vient quoi? Tu l'appelles comment? Hey, faut respecter mon mari. Hein. C'est mon mari après tout. C'est pas parce qu'on rit ensemble, tu as pensé qu'on est la même chose. Mon mari lui travaille. Tu as l'appelé vilain monsieur. Je te permets plus jamais ça. Hein. Entre lui et puis les vilains petits garçons qui viennent te voir ici là. Mon chocolaté là, c'est ton vilain monsieur. C'est ton vilain. Tu le vois lui et tout. C'est bon, amitié est toi là même là. Je veux plus. Mon mari vient d'avoir travail, c'est bon. C'est bon, ouvre ta bouche, va faire mon mari, va me laisser, c'est bon. Mon cœur! Non, c'est bon, faut rester chez toi, il reste chez moi, c'est bon. Mon cœur! Bébé! Attends, c'est quelle histoire ça? Oh, l'argent! On me n'a rien dit. Aujourd'hui, là, mon cœur, mon nounou, mon. Ouais! N'importe quoi! Eh, Seigneur! C'est de moi aussi un jour! Oh, vraiment! Chérie, ce film me plaît. Hein. Bon, j'aime bien le jeu de la tête principale. Ça, c'est vrai. Très bien. Oh. Mary, qu'est-ce que tu me mets à faire? Tu veux tout gâcher, c'est ça? Tu veux foutre ma vie en l'air? Je te l'ai dit et je te dis que je n'aime pas cette dame-là. Je te l'ai dit, chérie. Je suis fatiguée de tes mensonges, Norgy. Ça fait des mois que tu me répètes les mêmes choses. Je ne t'ai jamais menti pourtant, Mary. Attends, tu es mieux placée pour que quiconque pousse à mon histoire. Je t'ai dit que j'étais rapatriée de l'Europe. Ce sont des policiers qui m'ont même pris dans la rue. M'envoie à l'aéroport et de l'aéroport m'a mené ici en Côte d'Ivoire, sans un sou en poche. Et là, je suis obligée d'habiter dans la maison de mon ami qui est allé en voyage. Et fais croire à la dame que c'est moi qui le loue. Oui, mais moi aussi, ma soeur ne veut plus me garder. Elle m'a dit de prendre mes bagages et de partir de chez elle. On fait comment? Demande pardon à ta soeur. Hein? Et puis, accorde-moi juste un peu de temps. Comme ça, si j'obtiens ce que je recherche, toi et moi, on s'en ira. Non, Gilles. C'est maintenant ou jamais. Il faut que tu trouves une solution parce que ma soeur ne veut plus me garder. Ok. J'ai compris. Mais donne-moi jusqu'à demain. Je te donnerai une réponse. Ok. Mary. Je t'aime. Je fais tout pour te sortir de là. Tout. Tu prétends m'aimer. Pourtant, c'est avec cette Samira que tu fais l'amour. C'est encore cette Samira que tu embrasses. Toujours cette Samira avec qui tu passes toutes tes nuits. Je suis fatiguée de cette situation. Arrête.
aussi. On dirait pas ma sonnée. Ah, t'as vu voir. Oh, t'as oh, mon chéri. Je pensais que t'allais. Oh, 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 oh. C'est quoi ce désordre-là? Tu sais ce qu'on fait? Tu t'assois, je vais chercher mon sac. Pourquoi est-ce que vous voyez? Bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est qui? Moi, c'est Didi Stone du groupe Les Mousseurs. Je ne vous connais pas. Et vous n'êtes pas une référence pour moi? C'est ta manière de parler aux gens. Je veux savoir qui il est. C'est... Il a l'habitude de venir ici. Moi, tu n'es jamais à la maison. C'est le petit ami de Muri, ta petite soeur. En plus, comme je ne suis jamais à la maison, vous laissez entrer n'importe quoi, n'importe qui, chez moi. D'accord. Il est venu chercher Mary pour sortir. Ok. Mary ne sortira pas d'ici ce soir. On y va? Tu ne bouges pas d'ici. Où est-ce que tu vas? Tu vas où avec ce moins que rien? Cet énergumène là, tu vas où avec lui? Un vendeur de vision comme ça? C'est qui ça? Lui? Tu sais quoi? C'est toi le vendeur d'illusions. Moi? Laisse-moi voir. Tu ne bougeras pas d'ici. Tu la touches, je te casse ta gueule. J'aime pas ça. Elle bouge pas d'ici. Mary, va prendre tes barrages et puis on dégage d'ici. J'aime pas ça. Tu ne bougeras pas d'ici, toi. Mais ton gars en train de frapper ton grand frère, tu dis rien. Tu sais quoi, madame? Tu ferais mieux te réveiller. Parce que ton orgie là, c'est pas celui que tu crois. Il sort avec ta fille et moi-même, je suis sa copine. Juste ce qu'il faut. Ce oui, qu'il faut, parce que je suis en train de garder ma forme pour pouvoir rentrer dans ma robe de mariée. Ah, c'est pour Zoka. Ah, les femmes de genre. Autant pour moi. Autant pour moi. Pasteur. Oui. Quand femme attend parler de mariage, même si elle pourrait prendre faire à repasser, pour se repasser, pour maigrir, elle allait le faire. Mais attends, Zoka. Toi aussi, que veux-tu qu'elle dise de plus? Après tout ce que vous venez de traverser, s'il y a lieu de parler de arracher la lune, c'est le moment de le dire. Oui, merci, pasteur. Vous savez quelle est la grande nouvelle? Il y a ce casanier là qui ne dit rien, mais il a beaucoup de choses à dire en fait. Je vais le dire à sa place. Ouais. Eh bien, notre Frédéric National a décidé de devenir chanteur. Ah bon? C'est bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah oui, comme ça, on aura une star dans la famille. Hé, hey, Frédéric, j'espère que tu n'oublieras pas de chanter nos noms. Hein? Oui, ça, c'est clair. Côté dédicace. Ah ben, Frédéric, je pense que tu vas chanter à la gloire de Dieu. Hein? C'est bon de chanter pour les gens, mais c'est mieux de chanter pour Dieu aussi. Oui, pasteur, il y a une chanson même qui parle de Dieu. Intéressant. Alors que Dieu te bénisse, amen, qu'il t'inspire, et puis plein succès à ce que tu fais. Amen. Amen. Attendez, les femmes. Je vais taxer. Poussez ici, poussez. Cette maison, c'est une maison de guerre. Vous là, vous êtes vaincus. On est en retard, hein. Attends. Je sais que tu as amené ton argent aujourd'hui.
Bon, ça, c'est la main de Nounou là qui m'a donné. La main de Nounou, là, la petite là. Mm-hmm. Ah, c'est la main des choses, Papinou. Mm. Le petit garçon l'appelle Kirikou là. Mm. C'est la main qui m'a donné 1000 francs. Donc, toi là-haut. Quand on te parle là, tu comprends pas. Ce qu'on te dit là, tu comprends pas. Je n'aime pas ce que tu fais là. Hein. Je n'aime pas ça du tout. Nous sommes dans la cour là, je ne veux pas de problème. Tes camarades dérivent à soi, je n'aime pas ça. Écoute très bien ce que tu dis. Hein. Si un jour dans la cour j'entends quelque chose, madame d'autre, chez tes parents, directement, un homme averti en vos deux. C'est la dernière fois que j'ai parlé de ça. On dirait qu'il a pris que sa femme soit. Ici là, attends, on n'est pas, attends, on n'est pas venu pour régler le problème de Marie. On est venu là, c'est pour nous. Non, c'est de se méfier. Ma chérie, j'ai 30 000 ici. Bonjour, 30 000 francs. Bonjour, mes soeurs. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis toujours à vous. J'ai dit, il y a quoi? C'est pourquoi? Tu es venu pour quoi? Tu es venu faire quoi ici? Hein? Si tu es venu pour critiquer la femme, prends ta route et va chez toi. Voilà. Tu m'entends? On est fatigué des On histoires. Est fatigué. Elle pense qu'elle a gâté de l'autre côté, elle va venir nous mélanger ici. Faut lui dire ça ne tient pas avec moi. Tu as compris? Non, ouais. Parce que moi, là, ici, je suis dans cette tour-là pour mettre de l'ordre. Tu as compris? De l'ordre. Faut lui dire ça. Vous avez raison, messieurs. Vous avez parfaitement raison de me traiter ainsi. Mais vous voyez, j'ai changé. Il y a un adage qui dit seuls les imbéciles ne changent pas. J'ai vraiment changé. Si nous, entre nous les femmes, on peut s'entendre. Aimer la paix, l'amour. C'est sûr que nos hommes aussi finiront par s'attendre. Et il y aura vraiment la paix dans cette cour. Nous vivrons en harmonie. Hein? C'est ce que je vais vous dire. On a vraiment besoin d'aller à la paix, d'être vraiment soudés. Alors, je vais partir, mais méditez ce que je vous ai dit. Merci beaucoup. C'est là qu'elle parle de la paix aujourd'hui. La paix. Tu connais la paix. Non, je me soudais. Mais elle ressemble qu'elle a changé. Elle ressemble à souder là, mais quand non, tu la regardes, elle n'a pas changé. C'est que ça, c'est un plan pour pouvoir se rapprocher de mon mari pour sortir avec lui. Quel mari même? Mon mari. Toi là-haut, ton mari, il va raser. Oui. Il faut lui dire de se raser d'abord. C'est vrai qu'elle n'est pas mariée, mais elle va faire quoi avec ton mari? Celui avec qui toi tu es sorti là? Moi-même. Ah, tu es sorti avec mon mari aussi? Pardon, pardon, ton mari qui est presque mort là. Moi, je non, c'était avant sa maladie là. Bon, ça suffit. Bon, ça fait 30 000 francs. C'est mieux pour toi. 30 000. Mais qui n'a pas payé? Hein? Qui n'a pas payé? Tu la connais pas? Mais la fille, ça fait deux semaines qu'elle ne paye pas sa tontine. Elle paye pas pourquoi? C'est à cause d'elle, mon mari a vidé boutique. Normalement, il devait avoir l'argent pour payer. Cette fille-là commence à m'énerver. Hé, calmez-vous. Toi, tu parles de qui? Commence à m'énerver. Toi, tu parles de qui? Celle qui est là-bas, là, tu sors avec mon mari là. La dernière porte là. Celle qui est assise là. Mais c'est. Oh, la fille, elle n'est même pas de la cour ici. Hein? Donc, toi, ton mari, tu es tout le monde quoi? Ton mari, c'est qui est sorti à moi? Qui prend? Qui prend? Qui prend? Ma copine, tu parles trop. Madame Dosso, tu parles trop. Ne crie pas sur moi. Je vais prendre. Tu vas prendre. Pourquoi? Toi, tu vas prendre. Non, c'est moi, je prends. C'est moi, je prends. Attends, vous allez prendre pourquoi même? C'est moi, je prends. J'ai un complet de pagne à m'acheter. Moi, mon mari est malade. Attendez, attendez. Je ne vais pas te donner 5 francs. Toi aussi, je ne peux pas te donner mon argent. Ton mari, il vient de parler français tout à l'heure, il est parti. Je vais garder ça. Demain, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que moi-même, j'ai besoin d'argent aussi. Ma soeur doit aller au village. Non, non mais ça ne peut pas se passer comme ça. Mon mari est malade, je vais le soigner. Tu dis mais quoi? J'ai un complet de pagne à ma chère. Ton mari, c'est quoi, Marie? Tu vas aller voir, je sais comment elle appelle. Chez vous, ma soeur, elle va te donner un complet de pagne. Après, tu vas payer. Je dis quoi, tu vas prendre? Hé, pardonne, allez-y, mon mari, elle va venir tout à l'heure. Tu sais pas que je t'ai fait, tu es. On va se voir. Je vais passer par rapport à mes comptes. Tu veux que tu me connais très bien. Maman, c'est toi? Maman, c'est toi! Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est à toi! Ma copine, tu te rappelles de mon gars qui vit à Bengue? Cédric! En plus, elle a la mémoire toute fraîche! Hé! Copine! Regardez le quoi! Je te dis pas, il est à Abidjan. Actuellement, il est dans la capitale. Ah, tiens-toi bien, sois-toi, ma copine. Il n'est pas seul, hein? Il est accompagné de deux de ses camarades. Ma copine, l'autre là. L'autre, je l'ai réservé pour toi. Si tu le vois, ma copine. Patalina du garçon. Les yeux métalliques comme tu le fais. Ah, aussi. Ça va confiance bien. Bonne petite bouche bien dans le Demande à Lolo quand je lui ai parlé de toi. Il tremblait comme ça. Il est pressé de te voir. Quelle est cette manière de toujours t'empailler? Regarde, non. Regarde là, regarde. Non. Regarde. Je suis une américaine. Regarde. Tu as vu la copine? Ça, c'est pas une américaine qui est là. Ça, c'est vrai. Ah, bon. Qui dit mieux? Une américaine. Qui dit là, mieux? Regarde, regarde. Bon, t'es changé. Je vais changer. Laisse. Je vais aller.
Tu n'as pas confiance en toi. C'est pas ma Samira là. Samira. Samira. Je t'ai marié à Jonathan. Tu dis que tu as une bénisse pour moi. Tu dis que tu as une bénisse pour moi. Maman, où est la bénisse? J'ai tout perdu. Maman, j'ai tout perdu. Où est la bénisse? Elle m'entend. Elle m'entend. Elle m'entend. Et voilà. Il a bouché avec ma fille. Il a bouché la toi. Calme-toi, je te comprends. Laisse-moi. Calme-toi. Coucher avec la fille de quelqu'un. Amener une femme sous son toit et lui faire croire que c'est sa soeur. Mais les hommes même ils sont quoi, moi ils ne changeront jamais. Sammy, il est où? Calme-toi ma chérie. Dis-moi où est-ce qu'il est ce danger là, je lui dis deux mots. Sammy, on ne peut pas accepter ça, il est où? Sammy, Nargile. Nargile. Nargile, il est où? Il y a quoi? Ma tête, je me suis réveillée. Nargile, ma fille, ils ont pris la bagarre, ils sont partis. C'est pas possible. Sammy, Yako, attends. Lève-toi, ma chérie. Lève-toi. Calme-toi, Sammy. Calme-toi. Oh, maman. Sammy, si tu es intelligente, cette grande maison-là, il faut la libérer. Prends-toi un studio, ma chérie. Maman. Je te jure que je n'ai plus cette foi. Je n'ai plus cette foi. Et puis toi, mon bon, pour donner un argile. Je ne connais personne. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Maman, c'est mon seul espoir. Ma copine, je peux aller habiter chez toi pendant quelques temps. Le temps que je trouve un peu d'argent pour me prendre un studio. Ma copine, tu sais que je ne peux pas. Chez moi, là, c'est un studio. Et puis, c'est mon boss qui loue. Toi-même, tu sais, je ne peux vraiment pas t'héberger chez moi. Sammy, calme-toi. Calme-toi. J'ai une boîte de sortie pour toi. Ma chérie, vraiment, nous asseoir. J'ai une boîte de sortie. C'est pour moi. Viens, viens. Dis-moi, c'est moi. Sammy, calme-toi. La porte est sortie. Qu'est-ce que c'est? Zoka. Zoka? Zoka. Mais il n'est pas en prison. Zoka n'est jamais allé en prison. Attends. Hein? J'ai ma soeur qui va dans la même église que Zoka. C'est elle-même qui m'a dit ça. Zoka a monté tout ce scénario pour te chasser de la maison, Sammy. Parce que tu le maltraitais trop. C'est le nouveau domicile de Zoka. Sammy, à l'heure où je te parle, dans quelques jours, il va se marier avec son ex-femme. C'est l'adresse de Zoka. Zoka m'a menti. Zoka n'est jamais parti en prison. Jamais, Sammy. Donc il est là. Zoka. Chérie. Zoka, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu quelqu'un? Mais parle, y'a quoi? Le ciel nous est tombé sur la tête. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe. Hein? Tu dis quoi, Zoka? Le conseil d'administration de mon entreprise qui m'emploie a décidé de se séparer de moi.
En clair, je suis renvoyé. Tu dis quoi? Tu es renvoyé? Et qu'est-ce que tu as fait? En fait, quand on doit faire un audit, on prévient. Ils m'ont surpris et l'audit a révélé des sorties d'argent que je ne peux pas justifier. L'argent que tu as pris dans la société, là, où ça est? Non mais attends, tu crois quoi? Samira, qu'est-ce que tu croyais? Tout cet argent que je te remettais, tu pensais que je prenais dans un caniveau? Je prenais l'argent où il se trouvait, c'est-à-dire dans les caisses de la société. Tu as compris? Donc c'est à toi que je remettais cet argent. Mais bon, en fait, le problème n'est pas là. Le problème est que on m'accuse de détournement et que bientôt, la police et les huissiers vont arriver chez moi. Ils vont perquisitionner, ils vont saisir les biens. Donc il faudra absolument qu'on laisse cette belle maison pour chercher un endroit à Bobo Dereraï. Le temps que ça se calme, sinon je suis foutu. Zoka, moi Samira Dereraï. Attends Zoka, regarde-moi bien. C'est moi Samira. Moi aller habiter Dereraï. Mais attends, tu me prends pour qui? Zoka, quand tu me regardes là, moi je ressemble à Dereraï. Non, c'est juste le temps que ça se calme. Ça m'intéresse pas. Après on va déménager, on va aller ailleurs. Non? Je ne peux pas aller habiter derrière là. Je suis déjà quitté dans un quartier précaire. Je suis habitué au luxe. Je peux pas. Zoka, regarde-moi droit dans les yeux, Zoka, je vais te parler. Moi, Samira, je t'ai jamais aimé. Et je ne t'aimerai jamais. Samira, mais regarde-moi lui là. Tu pensais à quoi? Que moi, j'étais amoureuse de toi? Si je suis venue habiter avec toi, Zoka, c'est parce que tu avais de l'argent. C'est parce que tu avais des choses à m'offrir, Zoka. Maintenant que tu n'as rien. Je n'ai rien à cirer avec un misérable comme toi. Plus un futur prisonnier minable que tu es. Moi, je n'ai rien à cirer avec toi. Je prends mes enfants, je me casse d'ici. C'est chez Zoka, hein? Tu Samy, c'est l'adresse de Zoka. Je vais aller m'abriter. Moi, je vais aller m'abriter. J'arrive. Bon, ma copine. Ma chère, va t'apprêter. Va aller chez Zoka. Drink. All I feel right now is head drinking.